Elles ont toute leur place sur Radio Olive Olive, car elles aussi cherchent le buzz à tout prix, quel que soit le mensonge. Faux documents présentés au tribunal, théories complotistes bidons et pleurs désespérés ne leur ont pas empêché d'être reconnus coupables. Amandine Roy et Natacha Ray ont été condamnées à 16 000 euros de dommages et intérêts. Et si elles pensent encore dans leur tête de piaf que ces deux personnes n'en faisaient qu'une, eh bien elles auront deux rives de deux personnes bien différentes sur lesquelles elles devront verser 8000 euros pour Brigitte Macron et 8000 euros pour Jean-Michel Trogneux. Mais dans leur déni de folle, bien sûr, elles ont fait appel. Mais il faut être logique, une telle insistance devant la réalité les conduira au même résultat lors du second procès. Elles mangeront encore. J'espère même qu'elles mangeront encore plus. Parce qu'il faut maintenant que tous les profiteurs, les glandeurs de la société et autres gilets jaunes frustrés payent une taxe pour leur débilité. Sorties de leur cerveau complètement dérangé, elles exposent leur théorie de cerveau assimilé. Ces deux folles créent le scandale. Elles l'ont vu dans leur boule de cristal. Les deux folles, les mongoles, les deux trolls, les vrais camisoles. Elles disent que Brigitte est un homme journaliste bidon et faux médium, idée issue des profondeurs de leur rectum, les complots sur leur drogue, leur opium. Leur vraie place est à l'asile. Devant la justice, elles font de l'huile. Elles lâchent des larmes de crocodile. Alors on sait tous que ce sont juste de grosses débiles. Les deux folles, les mongoles, les deux trolls, les deux à camisole. Tiens, voilà le rire de Brigitte et Jean-Michel. Preuve qu'ils sont tous les deux bien individuels. Elles prétendent que c'est la même personne. Pourtant, c'est bien à deux individus qu'il faudra qu'elles donnent. Les deux folles, les mongoles, les deux trolls, les deux à camisole. Envoyez-moi ces deux folles à l'asile. Enfermez-moi ces deux boulets. Inutile, c'est ce que méritent ces deux grosses folles. Enfilez-leur une camisole. Humiliation des deux cas sociales qui devraient se trouver dans un hôpital. Les deux folles, les mongoles, les deux trolls, les deux camisoles. Sorties de leur cerveau complètement dérangées, elles exposent leur théorie de cerveau assimilée. Les deux folles créent le scandale. Elles l'ont vu dans leur putain de boule de cristal.